Hello, tout le monde, c'est Petit Suisse à Bicyclette. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour la 11e étape de la cyclosportive, le tour des stations. Et ça va être une étape de transition entre Chandolin et Crémisua. Une étape qui fait 6,2 km et qui ne présente quasiment aucune difficulté à part des faux plats montants qui ne dépasseront pas les 7% maximum et qui sera vraiment de très courte durée, sinon ça restera dans du 3 à 4%. Ainsi, à travers Savièse, on retrouvera des petits faux plats montants qui oscilleront dans les 6%, ce qui est une légère pente en vue de déjà tout ce qu'on a fait sur la montée d'Ovronnaz et de tout ce qui va nous rester à faire. Et là, nous sommes justement dans un léger passage à 7% qui va être vraiment très court. Et ensuite, derrière, pardon, nous aurons un 3% et la pente va commencer à se baisser avant d'avoir une descente qui nous mènera jusqu'à Saint-Germain. Allez, moi, je vous laisse découvrir cette transition entre Chandolin et Grémisua. Et nous, on va se retrouver dans un virage qui a une petite histoire cycliste, bien entendu. Allez, à tout de suite! Thank you.
De drone, nous allons aborder une descente et il va avoir au bout de cette descente un grand virage sur la droite et toujours un peu risqué puisque c'est ici même que Tony Martin durant un tour de Suisse est tombé. Il arrive parfois que dans cette courbe il y ait un peu de gravier et si vous mettez les roues dessus et vous passez à grande vitesse, vous risquez de chuter. Alors seul danger de cette transition, et je tenais à vous le faire remarquer. Et là la route s'élève légèrement mais ça ne dépassera pas les 6% avant de trouver un long faux plat montant jusqu'à Grémisua. Allez, je vous laisse poursuivre la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis un grand merci de me suivre. Je vous dis à bientôt pour l'étape numéro 12. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.